Et la Chine et la République populaire démocratique de Corée ont convenu de renforcer la communication et les échanges et de consolider les relations bilatérales. Le dirigeant de la RPDC, Kim Jong-un, et Lee Hong-jong, membre du bureau politique du comité central du Parti communiste chinois, ont conclu cet accord à Pyongyang. Monsieur Li était porteur d'une lettre signée par le président Xi Jinping promettant que la Chine maintiendrait, consoliderait et développerait les relations entre la Chine et la RPDC, quoi qu'il arrive. Kim Jong-un a déclaré que la RPDC était prête à porter ses relations à un niveau supérieur et à sauvegarder conjointement la paix et la stabilité régionale, ainsi que les intérêts communs. Au cours de sa visite, M. Li a également rencontré d'autres dirigeants de la RPDC et a assisté à la commémoration du 70e anniversaire de l'armistice de la guerre de Corée.